tous et bienvenue dans votre émission La Parole Inspirée. Ravie de vous retrouver encore une fois. Nous commençons à nous habituer les uns et les autres, hein. Alors, comme dans l'accoutumée, aujourd'hui je reçois un homme, plus précisément un homme de Dieu, avec lequel nous allons échanger donc, sur un sujet bien précis et sur lequel notamment je pense que nous pourrons avoir des ouvertures et comprendre des choses que peut-être nous ne comprenons pas de la bonne manière. Alors, le pasteur en question s'appelle Pasteur Soleil Kumissa. Je m'arrêterai là et pour la suite, il va se présenter lui-même. Pasteur Soleil, bonjour. Oui, bonjour, Comment merci. ça va? Très bien pour autant. Très bien. Merci d'avoir accepté de venir nous voir et de participer donc à cette émission qui s'intitule donc La Parole Inspirée. Merci, avec plaisir. Très bien, merci à vous. Donc je vais vous laisser un petit peu vous présenter donc en un temps un peu court, hein, mais nous expliquer un peu votre parcours. Où est-ce que vous travaillez? En région parisienne, au Congo, à Kinshasa, etc. Merci. Gloire à Dieu, merci pour la parole. Je me nomme Soleil Komissa, je suis pasteur de fonction. Je dirige la communauté chrétienne Splendeur Centre Chrétien. C'est situé à Lyon, j'ai commencé à Lyon Ah, et d'accord. présentement je suis aussi en Île-de-France, plus précisément à Sarcelles, 16 rue de Lescouvrier, 95 descend à Sarcelles. Et puis nous sommes déjà aussi à Kinshasa, Très où bien. on donnera bientôt les adresses pour la communauté Splendeur de Kinshasa. D'accord, à Kinshasa, Voilà. donc vous n'avez pas encore commencé. C'est déjà commencé officieusement, Très mais bien. officiellement dans pas longtemps, dans moins d'un mois. D'accord, Voilà. ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va entrer donc tout de suite dans le vif du sujet. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de. Je vous laisse le dire, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Voilà, nous parlons de la manifestation ou comment se manifeste la sorcellerie. Et parce D'accord. qu'aujourd'hui, on entend ça, on entend parler de la sorcellerie à gauche et à droite. Et aujourd'hui, nous aimerions savoir quelles sont les manifestations de la sorcellerie ou autrement dit, quels sont les comportements, quelles sont les choses qui manifestent, qui démontrent à suffisance que cette personne a de la sorcellerie ou manifeste de la sorcellerie. Peut-être que vous aussi vous l'êtes, mais vous ignorez. Peut-être que les gens autour de vous sont déjà contaminés par cette maladie qu'on appelle la sorcellerie, mais ils ne le savent pas. Donc aujourd'hui, nous allons voir Pasteur les critères Soleil, ou les choses qui le je vous manifestent. arrête tout de suite. Sorcellerie est égale à maladie? Oui, c'est une maladie qui se traite. C'est une maladie qui se traite. Pourquoi la sorcellerie, c'est une maladie? Parce que la sorcellerie tue ceux qui ont la sorcellerie. Donc ceux qui tuent, c'est une maladie. La sorcellerie est une maladie spirituelle qui peut se faire traiter. Très bien, c'est une bonne chose quand vous me parlez, entre guillemets, de maladie spirituelle. Parce que moi, Exactement. j'allais vous dire, mais si j'ai la sorcellerie, dois-je aller consulter un médecin? Si c'est une maladie? Oui, ce médecin-là, c'est un médecin aussi spirituel, donc un homme de Dieu, un pasteur qui vous traitera de cette maladie, un homme de Dieu qui vous traitera pour vous amener à la guérison. D'accord. Mais en tant que, entre guillemets, hein, personne très occidentale ou très européenne, quand vous me parlez de maladie dans la sorcellerie, moi, si je vais voir mon médecin et que je lui dis que, je sais pas, je vois des choses la nuit, il va m'envoyer en psychiatrie. Il va pas m'envoyer, je sais pas, peut-être vers la spiritualité. Il m'enverra en hôpital psychiatrique. Bon, je suis pasteur, j'ai reçu beaucoup d'appels Oui. venant des hôpitaux aussi, D'accord. venant des hommes que vous pensez que hey, c'est pas, ça ne les concerne pas. Mais il y a des gens qui vont voir le médecin, mais les médecins leur disent, ça, ce n'est pas notre cas. Ça, c'est un cas spirituel. Allez chercher un pasteur. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, ces choses-là, même le médecin connaît qu'il y a des problèmes qui sont spirituels. Je vais peut-être vous étonner. Si vous allez voir un médecin, j'ai souffert de l'asthme. Oui. J'ai souffert de l'asthme dans le temps. Et le médecin me dira que c'est vrai, je vais vous traiter, mais essayez de me parler de votre famille. Et chez nous, on D'accord. appelle ça la cure d'âme. Il a commencé à me poser des questions. Est-ce que votre père a souffert de ça? Est-ce que... Je dis, mais ce que vous faites, c'est ce que moi aussi je fais dans mon métier. Ça s'appelle la cure d'âme. Il dit, exactement, c'est la même chose. Et il y a de ces pathologies que nous ne savons pas traiter, que nous renvoyons auprès des hommes de Dieu. D'accord, très bien. Voilà. Eh bien, alors, je vais continuer, je vais vous embêter un petit peu dans le sujet donc des médecins. Je sais qu'en France, exemple, une personne qui est brûlée au premier, deuxième degré, hein, dans certains hôpitaux, surtout dans les petites villes, quand il arrive, on peut lui dire s'il veut, avant tout traitement, faire appel
un magnétiseur. Mm-hmm. Et donc, le magnétiseur, si le patient l'accepte, donc fait des choses. Je ne saurais vous expliquer lesquelles. Mais en tout cas, il va atténuer la douleur de la personne. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on doit considérer les magnétiseurs comme des sorciers ? Parce que c'est reconnu et ça existe. Certains médecins vont demander, hein, est-ce que vous voulez qu'on fasse appel à un magnétiseur ? Sauf que, voilà. Bon, c'est sûr qu'ils font recours à des pouvoirs. Voilà. Voilà. Et ils savent eux-mêmes la source de leur pouvoir. Mm-hmm. Qu'ils ne partagent pas, d'ailleurs. Hein. Voilà, qu'ils ne partagent pas. Mais nous aussi, comme je vous le disais, moi, étant homme de Dieu, j'ai reçu beaucoup de fois de coups de fil. Où mm-hmm. quelqu'un dit, non, je veux d'abord l'intervention d'un pasteur avant une intervention chirurgicale, avant telle chose. On est arrivé à prier et aussi voir des résultats. Donc, ça dépend. Ils ont des pouvoirs secrets. Ça, c'est eux. Mais nous aussi, nous avons un pouvoir qui est concret, qui se manifeste. La puissance donc, de Dieu. Et si ça venait à vous arriver, pasteur Soleil, vous vous retrouvez à l'hôpital arrivé. Et qu'on vous dise, est-ce que vous voulez, au lieu de vous faire anesthésier, qu'on fasse appel à un magnétiseur ? Vous diriez oui ou non ? Ouais, sûrement, je refuserais. D'accord. Voilà, avec ma connaissance spirituelle, je refuserais. D'accord. Parce que je sais que c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas à chercher d'autres recours, si ce n'est que lui. Si ce n'est que Jésus-Christ. Voilà. Très bien. D'accord. Alors, on va commencer tout de suite donc, avec un chapitre de la Bible hein, mm-hmm. donc, que je vais lire, qui se trouve dans Genèse. Genèse chapitre 4. Très bien. 4 à 10. Donc, chers téléspectateurs, donc, restez bien assis sur vos fauteuils, devant votre café, devant votre thé. Et donc, profitons et partageons ensemble. Donc, Genèse chapitre 4, versets 4 à 10. Mm-hmm. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Exactement. Par là, nous voulons parler... Il y a plusieurs personnes qui nous posent des questions. Oui. Comment reconnaître un sorcier ? Ok. Comment reconnaître un sorcier ? Alors ici, je voudrais faire la distinction entre la sorcellerie, ceux qui vont chercher la sorcellerie, chercher de l'occultisme, c'est une sorte de sorcellerie. D'accord. Mais il y a une autre forme aussi de sorcellerie que nous allons développer. La personne n'est pas allée chercher la sorcellerie ou le fétiche, mais oui. Son comportement, c'est comme vraiment un sorcier. D'accord. Donc c'est comme nous vivons présentement ou actuellement, ce genre de comportement, mm-hmm. nous allons les dénoncer. Donc, il y a des gens qui ne sont pas allés chercher de l'occultisme, mais qui, leur comportement, qui peuvent tuer sans pour autant aller toucher au fétiche, mais très qui bien. Peuvent tuer les autres. D'accord. Et là, on nous montre l'exemple de Caïn et Abel. Mm-hmm. C'est les deux frères d'une même famille. C'est là où nous voyons la manifestation de la sorcellerie. Pas parce que, forcément, Caïn était un sorcier, à proprement dit, mais son comportement manifeste la sorcellerie. Comment, quels sont ces comportements qui manifestent, quels sont les symptômes de la sorcellerie dans la vie d'un homme ? Un, nous voyons là dans la vie de Caïn, nous voyons la jalousie. Pourquoi nous voyons la jalousie ? Son frère émergeait dans son travail et lui n'émergeait pas. Du coup, il est frustré. Au lieu d'aller demander à son frère « Quel est ton secret ?», lui va développer de la jalousie. Donc, si vous sentez de la jalousie dans votre cœur parce que l'autre a reçu, parce que l'autre est en train d'émerger, sachez que c'est un symptôme, c'est un fruit qui manifeste la sorcellerie. La sorcellerie commence par la jalousie. Mais pasteur Soleil, voilà. D'accord, mais ça reste un sentiment. C'est-à-dire ce sentiment de sentir que quelqu'un a une chose que l'on n'a pas eue.
C'est un sentiment à la base. Donc, et ces sentiments-là s'appellent la jalousie. D'accord, sentiment de jalousie. Mais on parle de deux frères adultes. Mais le sentiment de jalousie peut arriver à un enfant de 4 ans avec son frère de 8 ans. Les sentiments peuvent être un fait normal, mais il faut savoir, derrière tout sentiment, se cache un esprit. C'est comme la peur. La peur est un sentiment normal. Mais quand la peur devient chronique, quand la peur devient perpétuelle, que vous vivez dans un état permanent de la peur, c'est-à-dire qu'il y a un esprit derrière cette peur. C'est comme ça aussi, la jalousie peut être un sentiment normal, mais quand votre jalousie devient cruelle jusqu'à aller tuer son frère, par exemple, comme aujourd'hui, il y a de ces jalousies qui amènent les gens à aller répandre le mauvais témoignage de quelqu'un d'autre. Parce que celui qui répand ton mauvais témoignage te tue. Parce qu'aujourd'hui, la réputation, c'est elle qui vous ouvre des portes. La réputation, c'est elle qui vous accorde le mariage. La réputation, c'est elle qui vous amène plus haut. Mais quand quelqu'un qui prend le plaisir d'aller répandre votre mauvais témoignage de ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait, de dire aux gens ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait en mal, cela est en train de vous fermer les portes et cette personne est en train de vous tuer. Bien qu'il ne soit pas allé vraiment toucher de la sorcellerie, mais du fait que la personne répande des insanités sur vous, la personne est en train de vous tuer. Et cette personne n'est pas différente d'un sorcier. Donc si c'est votre cas, c'est le temps de vous repentir parce que vous manifestez le comportement ou les actes de la sorcellerie. D'accord, mais comment différencier, comme je voulais en venir là, ce sentiment qui peut naître, qui peut venir d'un enfant qui a 4 ans pour son grand frère de 4 ou 5 ou 6 ans. Les personnes pouvant discerner le problème sont les parents. Mais on est dans une société où au jour d'aujourd'hui, on a déjà vu ici en Occident des reportages sur des enfants sorciers, exemple. Et quand on parle d'un sentiment de jalousie, mais est-ce que c'est pas très délicat? Parce que est-ce qu'un parent va se dire, ben, ça veut dire que le petit est sorcier. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois le chasser? Qu'est-ce que je dois faire de cet enfant? Quand on va dans ce genre... Parce que tout le monde ne discerne pas de la même manière, vous vous doutez bien. Donc, comment est-ce prendre la chose? Parce que là, on parle donc, d'un sentiment qui est le sentiment de jalousie. Mais est-ce qu'il faut forcément rallier le sentiment de jalousie à de la sorcellerie, surtout quand ça concerne des cas familiaux de frères et des sœurs ou d'enfants? J'ai commencé par faire la distinction disant que il y a des sorciers proprement dites qui sont allés toucher de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Oui. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas allées toucher ces choses, mais qui, par leur comportement, manifestent la sorcellerie. C'est-à-dire, quand je parle de la sorcellerie ici au second degré, c'est-à-dire c'est les gens qui ont une mauvaise foi. Ce sont des gens qui développent une rancœur. Ce sont des gens qui manifestent une mauvaise foi, vouloir nuire aux autres. Voilà. C'est ça que je suis en train de développer. Que, au vu de ce que la communauté pense qu'est la sorcellerie, est-ce qu'il faut réellement employer ce terme? Voilà, il faut l'employer. Ici, je ne touche pas trop la sorcellerie côté spirituel, mais je touche plus la sorcellerie du niveau communautaire, niveau familial, dans nos habitudes, dans nos comportements de tous les jours, parce qu'il y a des gens qui manifestent certains comportements pouvant tuer les autres, pouvant faire mal aux autres, exactement comme les sorciers le font, mais eux aussi le manifestent par leur comportement. Pour revenir à votre question, quand un parent voit qu'un frère ou une sœur ou un membre de la famille, un enfant, commence à manifester de la jalousie envers son frère ou envers sa sœur, de bons parents sensés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent appeler cet enfant-là, lui dire « Regarde ce que tu fais, regarde les comportements que tu manifestes, te conduira à telle chose, jusqu'à jalouser ton frère, jusqu'à peut-être à l'empoisonner, jusqu'à lui faire du mal. » Et en retour, ton frère va t'haïr. Tu vois? Et ça sera la dislocation de la famille. C'est aux parents. Parce que comme j'ai dit, ce genre de vices sont des choses qu'il faut traiter. Si vous ne les traitez pas, ça se développe, ça devient une pathologie et ça peut devenir très dangereux. Donc, les parents doivent faire appel à un enfant comme ça, le faire asseoir. S'ils n'arrivent pas à le faire, l'amener vers un homme de Dieu. Dire, regardez ce que nous constatons dans la vie de notre enfant. Nous avons essayé de pallier à cela et que nous ne trouvons pas de solution. Essayez de nous aider. Les hommes de Dieu vont aider. Mais le souci est que, malheureusement, à cause de beaucoup d'hommes de Dieu, on a des enfants dans les rues, des enfants abandonnés. Donc, oui. Mais peut-être non en même temps, parce qu'on peut dire que parmi les pays d'Afrique, la République démocratique du Congo n'est pas du tout bien cotée à ce niveau-là. Il y a tellement d'enfants dans les rues à cause de ce phénomène. Donc quand vous dites d'aller voir un homme de Dieu, est-ce que
les parents aussi doivent discerner que, attendez, si le pasteur vous dit « je dois enlever quelque chose dans le corps de votre enfant qu'il ne faut pas le faire », si on vous dit « chassez votre enfant, je ne dois pas le faire ». Bon, déjà, vous ne m'avez pas laissé développer mon verset. Quand j'ai évoqué le premier comportement, comme vous l'avez dit, vous m'avez attaqué avec des questions. Donc, aujourd'hui, les pasteurs, c'est vrai que j'adhère à cela. Tous les enfants qu'on amène chez le pasteur, ou ces enfants-là ne sont pas jetés. Si vous vous souvenez, au début, j'ai dit que la sorcellerie est une maladie. Mm-hmm. Donc, toute maladie se soigne, en fait. Oui. Ouais, toute maladie peut être curative, on peut amener à la guérison. Donc, quand vous sentez que votre enfant est malade, c'est votre enfant de la sorcellerie, ne le jetez pas. Il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs personnes qui prêchent aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont devenues des présidents ou des personnes élevées en dignité. Hier, ils n'étaient pas bien. C'était des personnes de mauvaise vie ou qu'on a acquisé de la sorcellerie. Soit qui sont allés toucher de la sorcellerie, l'occultisme, ou soit par leur comportement, tout simplement. Mais qui ont eu des bonnes personnes qui les ont aidés par des conseils, par des prières, des personnes qui ont été orientées. Et aujourd'hui, ce sont des bonnes personnes. D'accord. Bon, pasteur voilà. Soleil, moi, j'ai mon enfant. Mm-hmm. Il est sorcier. Ce soir, je vous l'emmène chez vous. Je vous le laisse. Et quand vous aurez fini de le traiter, vous me le ramenez. Vous serez d'accord? Mais c'est le travail que nous faisons. D'accord. Sur le plan spirituel que sur le plan physique. Mais le problème avec la sorcellerie, c'est bien de venir laisser l'enfant. Hein? C'est bien de venir laisser l'enfant. Mais le problème, il faut que l'enfant lui-même soit conscient d'abandonner la sorcellerie. Parce que l'être humain n'est pas un robot. Dieu a laissé le libre arbitre à tout un chacun, même à un enfant. Toute personne sorcière qui va être délivrée doit elle-même, cette personne, reconnaître que je suis sorcière. Renoncer et avoir le désir de l'abandonner. Parce que dans ce genre de cas, les gens viennent, mais parce qu'ils ont tout simplement été poussés par les parents d'abandonner. Alors quand ces personnes-là viennent, ils manifestent l'hypocrisie. D'où le deuxième comportement que je m'aurais évoqué, qui manifeste de la sorcellerie, c'est l'hypocrisie. Les hypocrites, c'est souvent les gens qui ont les symptômes de la sorcellerie. Parce qu'un hypocrite vous montre un faux visage de lui. C'est comme quelqu'un qui se maquille. Tu vois une femme dans une fête, un bel homme, une belle femme bien maquillée, mais tu le rencontres la journée, tu te souviens même plus que c'est la même personne. Alors, pasteur mais Soleil... Vous ne me laissez toujours pas finir mes idées. Non, d'accord, mais c'est, moi aussi j'ai peur, comme on est dans le feu de l'action, dans le feu de ce qu'on est en train de dire, donc dans l'hypocrisie maintenant, donc on continue, on développe. Si vous me dites que donc... La sorcellerie, ça peut aussi être se manifester par l'hypocrisie. Et ben moi, je connais beaucoup de pasteurs qui sont sorciers. Ah, vous les connaissez, vous? Bah, j'en ai vu beaucoup. En ce moment, voilà, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Vous êtes beaucoup sur les tabloïds. Hein. Comment vous avez su que ces pasteurs sont des sorciers, vous, personnellement? Je le dis parce qu'il y a des pasteurs qui vont prêcher devant tout le monde qu'il faut pas boire d'alcool, mais eux-mêmes en boivent de l'alcool. Il y a des pasteurs qui vont dire qu'il ne faut pas écouter de musique profane, mais eux-mêmes écoutent la musique profane. Et c'est donc, ça, là... ça reste de l'hypocrisie, ça reste du mensonge. Ça reste, je montre un visage, et puis quand je suis en dehors, je montre un autre visage. Donc... Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, demandez-vous, appelez vos collègues des sorciers. Non, je ne les appelle pas sorciers. Donc, c'est ça que... Il y a ce qu'on appelle une faiblesse humaine. Ouais, vous voyez, tout être humain est faillible. Mais cela ne veut pas dire que si vous êtes faillible ou faible dans un domaine, cela fait de vous un sorcier. Si vous avez bien suivi ma définition, j'ai dit derrière chaque sentiment, il y a un esprit. Quand votre peur devient chronique perpétuelle, il y a un esprit dedans. Quand votre jalousie devient perpétuelle, quand votre hypocrisie, on manifeste tous de l'hypocrisie par exemple, comment dire, on va à l'Ofra. Oui, hein? D'accord. Par exemple, on va à l'Ofra, on doit parler, on doit faire pour avoir son papier, vous savez, bref. Des choses que nous disons, c'est aussi de l'hypocrisie quelque part. Parce que tout ce qu'on dit, oh, j'ai été politicien, en fait peut-être que vous n'avez jamais été politicien, c'est de l'hypocrisie quelque part. Mais cela ne fait pas de cette personne-là un hypocrite ou un menteur perpétuel. D'accord. C'est suite à un manque ou un besoin réel. C'est une faiblesse que la personne demandera pardon. Mm-hmm. Vous voyez? Donc il ne faut jamais mélanger tout en fait. Quand j'ai dit que... Tout le monde peut avoir des faiblesses. Mais quand je parle des comportements qui manifestent la sorcellerie, donc la personne vit dans l'hypocrisie totale. En fait, la personne n'a jamais été vraie. Dans tout ce que la personne fait, il vous montre un autre visage, mais au fond de lui, c'est un autre visage. Mais malheureusement, pour ce genre de personnes, ces genres de personnes finissent toujours par être démasquées. À l'exemple de
de cet enfant qu'on appelle Caïn, le grand frère. Il a vécu dans l'hypocrisie aussi, mm-hmm. parce que pour lui, c'était son frère. Mais or, dans son cœur, il avait la haine, parce que la sorcellerie se manifeste aussi par une haine perpétuelle, la haine de ceux qui réussissent. Tu développes une haine vraiment atroce, une haine intense. Et du fait, cet enfant, Caïn, commençait à jalouser son frère, commençait à manifester de l'hypocrisie. Hein? Ouais. Et ce genre de cas sont légion. Je peux vous donner un cas actuel dans une famille. Je pense que, bon, comme c'est un cas qui fait le tour des médias, le frère Pogba. Vous voyez, comment se manifeste la sorcellerie? Moi, je vis Paul Pogba, le joueur, oui. avec son frère, je pense Mathias, soulevant sa Coupe du Monde, suivant son frère de partout. Mais maintenant, quand vous suivez à la télé, c'est que le frère Mathias est en train de faire à son petit frère Paul Pogba. Mais tout le monde qui le suit, même si vous n'êtes pas pasteur, tout le monde est unanime de dire que ça, c'est là, c'est de la sorcellerie. Ça, comment un frère qui a suivi son frère partout, et en fait de compte, il cherchait à ronger son frère. Voyez, vous qui nous suivez, donc, c'est ce genre de comportement d'hypocrisie. Quelqu'un est avec vous, quelqu'un mange avec vous, quelqu'un prétend être votre frère, votre ami, mais au bout d'un moment, la personne manifeste un comportement que vous ne vous attendiez pas à cela. C'est comme ça que je dis que les hypocrites, les sorciers qui manifestent l'hypocrisie finissent toujours par être démasqués. Raison pour laquelle vous avez vu Matthias a manifesté sa vraie nature d'hypocrisie. Et vous avez vu ici dans la Bible, Caïn manifester sa vraie nature. Donc si vous avez ce genre de comportement que j'appelle par exemple l'hypocrisie, que j'appelle la haine, que j'appelle la jalousie, dès le début, il faut chercher à traiter ces problèmes, à vous débarrasser de cela. C'est-à-dire, être capable d'être heureux pour la bénédiction de l'autre. Être capable d'être heureux quand l'autre s'est marié, quand l'autre est élevé, acclamer celui qui a mis au monde, même si moi-même je ne suis pas encore mis au monde. Oui, acclamer ceux qui ont reçu, acclamer ceux qui ont atteint un certain niveau, bénir Dieu pour leur vie et aller les soutenir avec tout cœur, avec sincérité. C'est comme ça qu'en retour, Dieu aussi vous bénira. Mais si vous sentez que vous avez une rancœur, vous avez de la jalousie, vous avez mal au cœur pour la réussite de l'autre, oui, ça vous fait mal, vous n'arrivez pas à féliciter celui qui a reçu ou celui qui est en train de réussir. Vous voulez que ça soit vous. Ah, pourquoi pas moi? Ça allait être moi à sa place. Et avec ce genre de pensée, avec ce genre de comportement, si vous ne les traitez pas... Il faut chercher le pasteur Soleil. Donc... jusqu'à ce que vous allez commettre le meurtre, parce que comme cet homme Caïn n'a pas cherché à trouver la solution, pourtant Dieu l'a tendu la main. Dieu lui dit, Caïn, si tu changes, si tu agis bien, sûrement tu relèveras ton visage, mm-hmm. sûrement ta vie changera, sûrement ta situation changera. Je m'adresse à toute personne qui a mal au cœur parce que l'autre est en train de réussir, toute personne qui est hypocrite. Tu vis avec quelqu'un, tu manges avec cette personne, tu montres à cette personne que je suis avec toi, mais en fait, ce que tu fais derrière son dos, ce que tu racontes sur cette personne derrière son dos, ce que tu fais derrière cette personne n'est pas ce que tu montres quand tu es là. C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie ou de la sorcellerie. Vous qui me suivez, si tu arrives à celui que tu appelles ton ami, ton mari, ton camarade, ton proche, tu arrives à parler du mal de lui derrière son dos, que tu n'arrives pas à dire en sa présence, vous manifestez de la sorcellerie. Et si vous ne vous repentez pas, votre vie finira comme Caïn. Vous voyez comment Caïn a fini? Caïn a fini un vagabond. Tous ceux qui vivent, qui manifestent les comportements de la jalousie, de l'hypocrisie, de la haine envers les autres, le manque de pardon, tous ces gens-là, s'ils ne se répentent pas, ils finissent comme Caïn. D'accord, très bien. Des vagabonds nulle part, en train de déambuler à gauche et à droite. Ah, les autres en train de réussir, vous êtes en train de tourner à gauche et à droite. Mais voilà. Rendez-vous compte qu'il y a quand même des gens qui font des coups bas à certaines personnes et qui s'en sortent aussi. Hein. Mais c'est la finalité qui compte. Mais la finalité veut qu'aussi ils s'en sortent. Il y a une expression qui dit que le bien mal acquis ne profite à rien, n'est-ce pas? Ça, c'est même pas un verset biblique. Et si je peux aller dans le verset biblique, la Bible dit « C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Si je peux aller plus loin, c'est lui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Voilà. D'accord, très bien. Alors là, on va passer, donc on va avancer donc au deuxième verset, mm-hmm. donc qui se trouve dans Matthieu chapitre 10 au verset 16, mm-hmm. que je vais lire dans l'immédiat. J'espère que vous êtes toujours très bien chez vous, hein, on continue. Donc, voici ce qui est dit. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Et simple comme les colombes. Voilà. Maintenant, nous commençons à pallier à cela. Vous vivez au milieu des hypocrites.
Vous vivez au milieu des gens qui vous haïssent. Donc les hypocrites sont les loups. Oui, mais c'est ça que je m'appelle. Ici, le Seigneur est en train de comparer les gens qui ont mauvais cœur. Le Seigneur les compare aux loups. Oui. Nous savons que le loup est là pour dévorer, détruire, tuer, au fait. Vous voyez, c'est comme je disais que quand votre mauvais comportement n'est pas traité, vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas différent d'un sorcier qui vole la nuit et qui fait du mal. Donc, c'est le temps de changer. Ici, Jésus lui-même compare ceux qui ont un mauvais cœur à un loup. Jésus dit ceci. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, c'est-à-dire des gens qui ont un mauvais cœur. Je vais dire à tous ceux qui nous suivent, ce n'est plus le moment de vivre dans les sentiments. Depuis que Caïn a tué Abel, le monde n'est plus comme Dieu l'avait créé. Et Jésus lui-même dira que ce monde actuellement est entre le prince de ce monde des ténèbres. Où que vous alliez manger, où que vous alliez boire, que vous soyez entouré de n'importe qui, soyez toujours prudent comme les serpents. Pourquoi ? Le serpent, même quand il avance, quand le serpent sent qu'il y a un mouvement de vent, le serpent s'arrête, essaie de voir avant d'avancer. Il est prudent. Et le Seigneur dira, deuxièmement, soyez humble comme la colombe. Oui, je vais toucher le deuxième point. Soyez humble, même si vous achetez une belle voiture. Vous n'êtes pas obligé de montrer sur les réseaux sociaux. Vous avez acheté une belle voiture. Vous avez ces jolies paires de baskets. Vous avez commencé des relations de fiançailles. Vous avez trouvé une promotion au travail. Vous avez commencé une nouvelle relation. Vous n'êtes pas obligé de montrer par sagesse. Mais, vous n'êtes pas obligé de montrer sur les réseaux sociaux. Parlons des réseaux sociaux. Mais j'ai pas fini. Mais vous inquiétez pas, on va avancer. Mais comme vous venez de traiter du thème des réseaux sociaux, c'est vrai et faux en même temps. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux... je vais vous donner un exemple. On a le droit de faire de la publicité au jour d'aujourd'hui. Et donc, quelqu'un peut-être va s'acheter une paire de Christian Louboutin. Mm-hmm. Et donc, il va la prendre en photo et il va taguer Louboutin. Parce que demain, ça peut être un travail pour lui. Il est vrai que ça peut faire du mal à certaines personnes. Mais beaucoup, il y a ce qu'on appelle aussi les influenceurs au jour d'aujourd'hui, donc, qui sont là et qui exposent des biens matériels, mais ils font un travail en fait. Oui, oui, là j'adhère. Pour ceux qui les font comme travail, j'encourage. Je suis pour la promotion, c'est que les gens émergent. Mais pour ceux qui les font pour que les gens voient, c'est ce que je condamne en fait. Voilà. Là, si peut-être qu'eux aussi essayent. Bon, si c'est avec ce but-là, pourquoi pas. Mais sachez que quand vous montrez trop souvent votre vie cachée, ça crée de la jalousie. Oui, alors, ce n'est pas vraiment de la sagesse. Si vous les montrez pour que les gens le voient, pour que les gens trouvent que vous, vraiment, c'est vous, ça vous amènera à la mort, ça vous tuera un jour. Avec le monde actuel, même Jésus lui-même qualifie les habitants du monde actuel, Jésus les compare aux loups. Eh bien, alors, les pasteurs qui aiment porter des marques et qui se montrent ouvertement, avec des vêtements de grands couturiers, des... j'en citerai pas, hein, je pourrais, hein, mais bon, voilà. Avec des femmes, avec voilà, des chaussures à talons à semelle rouge, qu'est-ce qu'on va dire ? Bon, ce n'est pas un péché. Bah oui, mais c'est pareil, en étant pas très simple, ce n'est ils pas vont un attirer péché, aussi c'est... de la convoitise. Ben, c'est ça que je dis, on peut s'habiller cher, on peut s'habiller en grande marque, mais être sobre. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut être s'habiller comme ça et être sobre. Sans pour autant dire, ça deviendrait aberrant si cet homme-là venait à dire aux gens, voyez, je suis habillé en Christian Louboutin, je suis habillé en ceci, en cela. C'est là où ça serait un problème. Mais d'accord. Si la personne s'habille pour elle-même et que les gens constatent que c'est telle marque, ça, ce n'est pas un problème, ça. D'accord. Parce que de toutes les façons, tout ce que nous portons a une griffe. Ça peut être Lacoste, ça peut être Christian Lacroix, ça peut être... Donc, en fait, tout ça ce que nous Carrefour. Portons... Voilà, ça peut être H&M. Ouais. Donc, tout ce que nous portons a une identité. Ouais. Donc, on ne peut pas se mettre à critiquer ceux qui portent de grandes marques. Parce que tout le monde porte des marques, mais à sa manière. Donc, je reviens à mon thème. D'accord. J'avais parlé... Donc là, on s'en était arrêté, donc, voilà. À Colombe. Et... Je parlais qu'on devrait être... Humble, on devait être humble. Jésus dit, soyez prudents. Soyez prudents comme des serpents. Alors, la prudence aujourd'hui, c'est dans tous les domaines. Je connais plusieurs pasteurs qui ont été empoisonnés. Par qui ? Par une femme de l'église qui préparait pour lui la nourriture. J'ai vu des pasteurs être empoisonnés par son service d'accueil, le protocole, le pasteur être empoisonné. Alors, parce que le pasteur vivait des fois... dans la spiritualité, mais sans prudence. Oubliant que le Seigneur Jésus dit, je vous envoie comme des brebis. Vous devez savoir que la brebis, si la brebis, elle est fragile. Le loup, il est vraiment féroce. Donc,
Nous vivons avec des gens, des fois, qui nous disent que nous sommes leurs pères, nous sommes leurs frères, nous sommes leurs amis, nous sommes des gens, nous sommes la personne qu'ils aiment trop. Mais en fait, c'est des personnes qui ne nous aiment pas trop. Je vais dire à celui ou à celle qui est en train de me suivre, tu ne peux pas déterminer le vrai amour de la personne ou le vrai attachement d'une personne quand tout va bien ou quand il n'y a rien. Le jour où il y aura un problème, c'est là où tu découvres, où tu détermines le vrai attachement ou le vrai amour de la personne qui est avec toi. Si la personne se comporte de la même manière devant toi, même derrière ton dos, la personne se comporte de la même manière dans la loyauté, dans la fidélité, là tu peux dire que c'est un bon ami, un bon frère ou c'est quelqu'un qui mérite d'être à mes côtés. Les pasteurs soleil. Je ne finis toujours par mes idées. Excusez-moi. Mais quand il s'agit des pasteurs, comme vous êtes en train de le dire, et par exemple de cette personne qui cuisine pour le pasteur, en dehors de cette histoire de... Parce que ça fait des années. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on parle d'empoisonnement. Il y en a qui ont été empoisonnés à 20 ans. On arrive, il y a 3 ans, il y en a d'autres. Et ça continue. Mm-hmm. Mais est-ce qu'en dehors de ça, quand le Seigneur parle de sagesse, pourquoi est-ce que ces gens-là aussi ne grandissent pas en sagesse? C'est-à-dire qu'en Occident, même à l'époque des rois, il y avait des empoisonnements. Alors à un moment donné, à force, ils ont décidé de prendre des goûteurs. C'est-à-dire que le roi ne mangera pas la nourriture tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui goûte à sa place. Mm-hmm. Et si cette personne ne meurt pas ou si tout va bien, je peux manger. Et cette personne n'a pas de la famille? Elle n'a pas, c'est son métier, il l'a choisi. Vous voyez ce que je veux dire? Il l'a choisi. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, moi, je sais que des présidents tels que Barack Obama ou autres, hein, pour donner un exemple, mm-hmm. eux, c'est pareil. S'ils viennent, partout où ils iront, ils ne mangeront pas la nourriture avant qu'elle ait été testée ou goûtée pour exactement les mêmes problèmes. Mm-hmm. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand c'est arrivé déjà il y a 25 ans, comment se fait-il qu'on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes? Est-ce que pendant aussi, entre guillemets, vos enseignements pastoraux, est-ce que vous n'essayez pas de trouver des solutions, toujours, oui, la sorcellerie, oui, la jalousie, mais qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Comment on se protège? Mm-hmm. On arrête de demander à ce qu'un membre de l'église cuisine? Je ne sais pas, hein, parce que dans beaucoup d'églises, on le voit, hein, c'est maman telle qui a été prise pour cuisiner. Mais qu'est-ce que vous savez si demain, parce que vous lui aurez dit non pour quelque chose, le sentiment ne va pas l'envoyer à venir empoisonner le pasteur soleil? Et on se dire que ça arrivait à 20 ans, ça arrivait à 15 ans, ça arrive encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous aussi, pour prendre des alternatives pour que cela n'arrive plus? Bon, est-ce que vous êtes trop gourmand? Vous aimez trop la nourriture? Plusieurs l'ont fait en parlant de la nourriture, parce que vous avez fini par là, vous aimez trop la nourriture. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le pasteur ou les hommes de Dieu aiment beaucoup manger. Voilà. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent que la sorcellerie est entrée pour la première fois dans le monde par la nourriture. Voilà pourquoi nos mamans, quand on était plus petits, nous disaient toujours « ne prends pas la nourriture de quelqu'un à l'extérieur, voilà. Ne mange pas, etc. » Voilà, donc je finis mon idée disant que Adam et Ève ont succombé par la nourriture. Tout à fait. Donc la sorcellerie, pour la première fois que les hommes ont été ensorcelés, parce que le mot sorcellerie, c'est aussi le même mot qu'envoûtement. Mm-hmm. Donc les gens ont été envoûtés ou ensorcelés pour la première fois, c'était par le manger. Mm-hmm. Et c'est la même méthodologie que le diable aussi fera. Il a dit, je fais tomber le premier Adam dans le jardin d'Éden. Je vais aussi faire tomber le second Adam, Jésus, et le dernier d'ailleurs. Il est aussi venu avec la même stratégie. Mm-hmm. Est-ce que tu ne peux pas prendre ces pierres comme tu as faim, tu as gêné, faire à ce que ces pierres deviennent de pain? Mm-hmm. Donc toujours, il a voulu envoûter Jésus par la nourriture. Donc vous qui nous suivez, le moyen facile pour vous avoir homme de Dieu, pour vous empoisonner, pour vous séduire, pour terminer votre vie, ça passe par le manger, tout ce qui est comestible, tout ce que l'on mange. Donc, moi je pense quelque part aujourd'hui, si ça continue, d'une part, c'est une légèreté de notre part, mm-hmm. parce que la Bible dit qu'est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On ne doit pas trop faire confiance. On doit utiliser ces versets de Matthieu 10, 16, c'est-à-dire être prudent là où il faut être prudent et être sage là où il faut être sage. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Nous devons aussi nous actualiser, au fait, nous moderniser, choisir un bon service de protocole, un service protocolaire qui filtre bien des personnes dignes de confiance. Peut-être nos propres enfants, peut-être les personnes vraiment, ou ta propre, si vous êtes marié, que votre femme prenne soin de ce que vous allez manger. Je connais aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu,
Avant qu'elle soit mariée, j'ai été avec un homme de Dieu élevé vraiment en dignité ici en France. Mm-hmm. On a été quelque part avec lui, on a parlé. J'ai dit à homme de Dieu, on a fini de parler, vous avez été gentil, est-ce qu'on peut aller au restaurant? Il a souri. Il a dit, il y a longtemps que je ne vais plus au restaurant. Mm-hmm. Je veux bien. Mais avec tout ce qui se passe, je ne vais plus au restaurant. Je ne mange que la nourriture que ma femme a préparée. D'accord. Voilà, homme de Dieu. Voilà, vous qui aspirez à vivre longtemps dans n'importe quel domaine, surtout si vous êtes élevé, vous avez une notoriété, les gens vous en veulent. Pas tout le monde, mais sûrement, il y a des gens qui vous en veulent. Regarde le comportement de ce pasteur. Sûrement, il sera épargné de beaucoup de choses. Mm-hmm. Il dit, je veux bien, mais j'irai manger à la maison. Je ne peux manger qui est la nourriture que ma femme a préparée. Voilà la solution pour pallier à cela. Donc, cher homme de Dieu, cher enfant de Dieu, vous qui aimez trop manger et trop boire, sache que la mort est entrée dans le jardin d'Éden. La mort a voulu entrer dans la vie de Jésus, détruire sa destinée par la nourriture. Le diable utilise toujours la même méthode. Très bien. Voilà. D'accord. Alors, continuons maintenant au niveau des chapitres. On va passer à l'Exode. Mm-hmm. Donc, on a Exode 22, chapitre 18. Exode, chapitre 22, le verset 18. Voilà, très bien, qui dit « Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Mm-hmm. » Oh là. On la laisse pas vivre. C'est Dieu qui dit. Ici, dans ces passages, si vous lisez au-dessus le verset 17. Si le père refuse de la lui accorder. Vous lisez même le verset 16. Très bien. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Donc si Dieu était en train de donner certaines ordonnances, Dieu ne demandait pas si les gens pouvaient le faire, mais Dieu ordonnait. Ordonnait. Ici, Dieu aussi ordonne quand il s'agit d'une sorcière. Parce que dans d'autres versions, c'est la sorcière. Et là, on parle de la magicienne, mais il ne faut pas les laisser vivre. C'est vrai. Aujourd'hui, je ne veux pas être responsable de ceux qui vont aller égorger les sorciers, les magiciennes, ou les magiciens les tuer. Ici, sagement, la Bible dit que tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Tu ne la laisseras pas vivre. On ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, comme on dit quand on s'est modernisé, normalement, se faire justice soi-même. Mais si on repart dans l'ancien temps, moi je ne vous parlais que de la France, les sorcières étaient brûlées. On brûlait les sorcières sur la place publique, devant tout le monde. Et donc c'est un fait qui il se relate peut-être de ce que nous sommes en train de lire. Peut-être qu'ils ont tiré ça de la Bible, sûrement. Mais il est qu'à cette époque-là, les sorcières étaient brûlées sur la place publique. Voilà. Alors, étant très occidentale quand même d'un certain côté, il y a certaines choses, moi je rigole, j'y crois pas trop. Mais je sais, à titre d'exemple, que dans le centre de la France, je vous parle bien de la région du Berry, dans le centre de la France, il existe un musée des sorcières. Ah bon ? Oui, voilà. Donc, tout le monde peut aller visiter. Et justement, où on relate, où on parle de ce genre de choses, donc ce qui s'est passé dans le temps. Et donc, où bah justement, où les sorcières étaient brûlées, voilà. Donc, j'adhère. En place publique, sur les places publiques. Je pense que ces gens-là, vous voyez, c'est une idée prise de la Bible, en fait, je pense bien. Parce que si les Occidentaux peuvent aller brûler sur la place publique les sorcières. Ah oui, excusez-moi, je tiens à rappeler qu'elle était la capitale en France de la sorcellerie. C'est quelle ville, ça ? C'est dans la région centre, Bourges. Bourges. Donc, c'est dans cette région-là. C'était à l'époque les rois, quand ils avaient un souci. C'est là-bas qu'ils descendaient. Et c'était la capitale donc, de la sorcellerie. Attention, je ne blague pas, vous pouvez aller sur Google. C'est une vérité. Voilà, allez-y vérifier. Ouais. Alors, si on arrivait à brûler ces gens sur la place publique, vous vous imaginez les dangers que l'État français voyait dans la sorcellerie. Donc, n'ayez jamais blagué avec la sorcellerie. N'ayez jamais blagué avec un sorcier. Et vous qui êtes sorcier, il est temps de renoncer à la sorcellerie. C'est une maladie, vous pouvez être guéri ou délivré. Et vous qui avez des parents sorciers, vous qui avez des enfants sorciers, tout parent qui devient sorcier ou qui a de la sorcellerie n'a plus le même sentiment que toi. Toi, tu as des sentiments que c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon fils, mais lui n'a plus ces sentiments-là. Toi, tu as le sentiment de le protéger, mais lui a le sentiment de te détruire. Toi, tu as le sentiment de le cacher. Lui a le sentiment d'être exposé. Toi, tu as le sentiment de le couvrir, de lui faire du bien, mais lui a le sentiment de te détruire et de te faire du mal. Donc, ce verset veut tout simplement nous dire, j'adhère à votre idée,
Donc, si on pouvait brûler les sorciers à la place publique, si l'État français pouvait voir ces dangers dans la sorcellerie, c'est-à-dire ils ne se sont pas trompés. Parce qu'il y a un homme de Dieu, on lui posera la question, Renard Bonke, qui a travaillé presque toute sa vie en Afrique, avec des grandes croisades au Nigeria, partout dans le monde, surtout en Afrique. On lui dira, qu'est-ce que tu peux parler de l'Afrique? Il dit, il y a une société qui émerge en Afrique. Cette société-là n'est jamais tombée en faillite. On lui dit, mais c'est quelle société ça? Pourtant, les gens meurent de faim. Il dit, c'est la société de la sorcellerie. Pour avoir prêché là-bas, au fait, la sorcellerie émerge, se développe de plusieurs manières, c'est une entreprise forte. Pourquoi voilà. aussi? C'est vrai que je parle de cette sorcellerie. Mm-hmm. Les Occidents se sont développés et ont abandonné cette histoire. Et ont cherché justement à traiter les choses autrement. Mm-hmm. Et pourquoi est-ce qu'en Afrique, nous, on continue à vouloir justement faire en sorte, et voilà pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec ces enfants dans les rues, ces femmes rejetées, et pourquoi pas vous les pasteurs, pourquoi ne faites-vous pas des structures pour pouvoir faire... Est-ce qu'on doit prendre ça pour une honte, à titre d'exemple, de voir des reporters canadiens qui arrivent au Congo et qui vont rencontrer des enfants sorciers et qui leur disent, voilà, nous, moi je vous prends une semaine et ce que tu as fait pour laquelle on t'a chassé, je veux le voir. Et qui pendant des mois ne voient rien du tout. Et qui viennent chercher ces pasteurs et qui leur disent, voilà, il m'a relaté telle histoire. Vous, j'avais chassé cet enfant qui a reconnu. Et l'enfant va dire, on m'a poussé. Donc j'ai reconnu parce que j'avais faim ou j'avais besoin de manger. Donc j'ai reconnu, mais en fait, je ne vois jamais rien. J'ai juste été accusé à tort. Ok. Bon, c'est vrai qu'il y a des structures qui ont été faites aujourd'hui. Mmh. Il y a beaucoup d'églises qui ont des permanences ou des pasteurs qui ont... créer des ONG oui. qui encadrent ces genres de cas. Nous encourageons ces genres d'initiatives. Que Dieu bénisse ces genres de personnes. Et c'est des choses qui existent, qui ont toujours existé, qui oui. continuent d'exister, que l'on doit traiter. En fait, comme vous venez de le dire, plusieurs de ces enfants qui ont été attrapés sorciers, ils n'étaient pas... Certains pouvaient être sorciers, mais pas les autres peut-être. Et les autres ont été poussés... À avouer qu'ils étaient sorciers, manque d'encadrement. Mais aujourd'hui, je pense que les choses ont révolu. Les pasteurs, les hommes de Dieu, quand on nous amène ce genre de cas, on essaye de bien examiner. Est-ce que ce n'est pas la souffrance? Est-ce que ce n'est pas la voilà. famine? Est-ce que ce n'est pas? Et on arrive à diagnostiquer et à catégoriser ces problèmes-là. Et je vous pose une question encore. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, un décès, une maladie, on doit toujours forcément aller chercher un sorcier dans la famille? Alors que nous, ici, on le voit bien, il y aura une autopsie qui sera faite avant tout pour savoir voilà, d'où a commencé la maladie, où est-ce qu'il en est arrivé là. Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique, il faut toujours que quelqu'un en pâtisse et qu'il soit rejeté? Parce qu'ils savent que, comme l'homme de Dieu, Renard Bonke l'a dit, c'est l'industrie qui se développe le plus en Afrique. Ça, ce n'est pas faux. Ce n'est pas que tout le monde qui meurt toujours de la sorcellerie. Mm-hmm. Dans la plupart des cas ou des temps, la sorcellerie agit là-dedans. Mais je vais vous donner un exemple très à la mode. À une époque, on avait le Mbasu. Quelqu'un va dire, bois Kilinga Mbasu. Il y a même eu des chansons, mais ce n'est pas une maladie naturelle, ça. Voilà. Mais là, maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai entendu il y a quelques jours, bois Kilinga maladie AVC. Mais vous ne pensez pas qu'on commence un peu à exagérer dans tout ce qu'on est en train dans cette sorcellerie? Non, on n'exagère pas. AVC. On n'exagère pas. Moi, je vais te dire... J'ai reçu quelqu'un qui est venu se confesser. La personne vient se confesser et dit, j'ai détruit beaucoup de vies. J'ai dit, qu'avez-vous fait? Il dit, dans le monde des ténèbres, j'étais responsable de jeter des maladies incurables aux gens. Moi, j'ai reçu une telle personne. Mais peut-être qu'il était fou. Peut-être qu'il est fou. Non, non, la personne n'était pas folle. C'était une personne raisonnable. Mais la personne vient dire, pasteur, j'en ai marre, j'ai écouté la parole de Dieu, je vais abandonner. J'ai détruit beaucoup de vies. J'ai dit, mais comment tu faisais? Il dit, mais c'est des incantations. Tu pouvais être en France, tu pouvais être en Afrique, dans un coin éloigné. Moi, j'ai une photo de toi ou sur les réseaux sociaux où j'appelle ton nom. Je te lance un mauvais sort. Tu n'as pas connu un homme ou un partenaire qui avait une maladie sexuellement transmissible. Mais tu vas chez le médecin, on trouve cette maladie en toi. C'est comme ça que j'ai détruit beaucoup de vies. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de mauvais sorts. Beaucoup de maladies incurables, ce ne sont pas des maladies alors, normales. Pourquoi ces gens-là ne vont pas jeter des sorts, à titre d'exemple, aux violeurs à l'Est? Tuez-nous tous les violeurs à l'Est! Bon, là, il faut les... Je ne pense pas qu'ils peuvent faire ça. Pourquoi ils ne feront pas ça? Le diable ou les sorciers ne détruisent pas n'importe qui. D'accord.
ils détruisent là où il y a une grande destinée, là où il y a une étoile. Eh ben, on a du coltan, on a de l'or là-bas. Oui, mais laissez-moi finir. C'est ce que j'ai dit. Quand les diables aiment exterminer, ou les sorciers aiment exterminer, souvent c'est lui qui a une étoile. Deuxièmement, c'est lui qui a déjà une position. Et surtout, si vous êtes un enfant de Dieu, le but du diable, c'est de vouloir arrêter la destinée des enfants de Dieu. D'accord. Mais pour ceux qui sont déjà, ceux qui sont païens, ceux qui sont dans le camp du diable, mais ce sont ses candidats, ce sont ses agents. Il n'a plus envie de les exterminer parce qu'ils sont déjà dans son camp. Donc, quand vous êtes chrétien, sachez que vous avez un ennemi qui s'appelle le diable. Son but, c'est de vous tuer soit spirituellement ou de vous éliminer physiquement. Alors, soyez prudent comme les serpents et simple comme la colombe. Là où la Bible dit, Exode chapitre 22, le verset 18, que tu ne dois pas laisser vivre la sorcière ou la magicienne, cela veut tout simplement dire que, si je peux les traduire autrement, tu dois les faire disparaître autour de toi. D'accord, donc, très bien. Je n'ai pas fini avec cette idée. Alors, très important, merci. Donc, si tu connais, la Bible nous prêche l'amour, mais dans l'amour, il y a aussi la prudence. Tu as vérifié à plusieurs reprises que c'est une personne qui colporte contre toi. Tu as vérifié à plusieurs reprises que la personne te témoigne de l'affection de l'amour en ta présence et que derrière ton dos, c'est ton nom qu'il cite ou qu'elle cite à mal. Continue à aimer cette personne, mais sépare-toi de cette personne. Abraham avait un membre de sa famille qui s'appelait Lot. Dieu l'a exigé, avant que je te bénisse, il faut que tu te sépares. Être ennemi, c'est ce que Dieu déteste, mais la séparation n'est pas mauvaise. La séparation n'est pas un péché par rapport à la prudence et à la sagesse. Donc, toute personne qui en veut à ta vie, qui colporte contre toi, qui dit de mauvaises choses, qui répond de mauvais témoignages sur toi, ne fais pas semblant. Sépare-toi de cette personne. Sépare-toi de cette personne. Si tu vas continuer à l'aimer, aime-les à distance. Si tu vas continuer à les donner, donne-les à distance. Parce que plus un sorcier est proche de toi, il voit tes faits et gestes, il sait cibler, il sait contrarier, il sait attaquer et il sait te faire du mal. Donc, quand la Bible dit, ne laissez pas vivre la magicienne ou la sorcière, élimine ces gens autour de toi. La personne que tu soupçonnes ou la personne que tu vois que c'est fait manifeste de la sorcellerie, même si la personne n'est pas sorcière à proprement dite, mais son comportement de colportage, son comportement de la haine, de la jalousie, manque de pardon, ces gens autour de toi, élimine ces gens autour de toi. Sinon, c'est toi qui seras éliminé. Soyez sage comme la colombe et prudent comme les serpents. Vous vivrez longtemps et le plan de Dieu se réalisera dans Amen, amen. Donc, merci beaucoup, Pasteur Soleil Koumissa. Mm-hmm. Donc, on pourrait continuer. Le plaisir a été pour moi. Merci, on pourrait continuer jusqu'à demain, mais bon, nous sommes pris par le temps. Mm-hmm. Vous êtes le bienvenu dans notre émission La Parole Inspirée. Merci. Donc, j'espère vous revoir et vous recevoir sur ce fauteuil quand vous le voulez d'ailleurs. Merci et beaucoup. Et donc, pour nos téléspectateurs, je vous dis à très bientôt, à la prochaine avec un nouvel invité. Et sur ce, très bon dimanche à vous. Merci à Pactol Productions, c'est Direct TV. Et à la prochaine. Merci. International au-delà du Congo et de l'Afrique. Une seule chaîne, c'est Direct. Diffusé en France par Freebox, canal 449. Molotov TV. Le bouquet africain en Europe. Évidemment sur le continent africain. Canal Plus Afrique, canal 334. La TNT de Canal+, Easy TV, Canal 3. La seule chaîne privée congolaise, suivie par la diaspora africaine et congolaise en France et en Europe. Le Congo vu du monde, le monde vu du Congo.
C'est Direct, première chaîne mondiale des deux Congos.